Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'image d'un intervalle à partir d'une représentation graphique. On considère la fonction f, d'où la représentation graphique est donnée ci-dessous. Déterminer les images par la fonction f de chacun des intervalles ci-dessous. Si vous savez comment faire, alors à vous de jouer. Maintenant, passons à la correction. A. On a l'intervalle moins 2, point virgule 0. Alors pour commencer, on va représenter cet intervalle sur l'axe des abscisses. Toutes les images de cet intervalle seront donc représentées sur cette partie de courbe. Ensuite, on va repérer le point maximal, qui est ici, et le point minimal. Et on va lire leurs coordonnées. Pour cela, on va aller rejoindre l'axe des ordonnées. On peut donc lire moins 0,5 et 2,5. Mais juste avant de noter la solution, il faut faire attention à une chose. Ici, nos crochets sont ouverts. Et comme nos points ont la même abscisse que les crochets ouverts, alors les crochets de notre solution seront également ouverts. On peut donc noter S de moins 2,0 est égal à crochet ouvert moins 0,5. Point virgule 2,5. Maintenant passons au B. On a l'intervalle moins 1/2 et 3. Donc encore une fois, je représente l'intervalle. On s'occupera de cette partie de courbe-là. Et on repère le point maximal, qui est ici, et le point minimal. On lit les coordonnées. Et on a moins 1 et 1,75. Alors ici, nos crochets sont toujours ouverts. Mais le point maximal a également la même abscisse que les crochets ouverts. Il sera donc ouvert aussi. Mais attention au point minimal, il est situé sur la courbe. Dans ce cas-là, ces crochets seront fermés. On peut donc noter S de l'intervalle moins 1/2 et 3 est égal à crochet fermé moins 1, point virgule 1,75. Crochet ouvert. Et pour finir le C, on a l'intervalle moins 4 et 4 qui représente donc tout notre graphique. Le point maximal est ici, le point minimal là. On lit les coordonnées, on a moins 1 et 2,5. Les crochets sont ouverts, mais comme nos points sont situés sur la courbe, alors notre intervalle sera fermé. On peut donc noter S de moins 4 jusque 4 est égal à crochet fermé, moins 1, point virgule 2,5. Crochet fermé. Et voilà, vous savez tout.